le pape François, notre modèle d'humilité. Tu nous conduis sur le chemin de sainteté. Dans notre Église catholique, notre famille qui nous unit, il y a la foi, il y a l'espérance, il y a l'amour, il y a la vie. Le pape François, nous prions pour toi, reste le signe de notre unité. Nous rendons grâce à Dieu notre Père pour nos pasteurs fidèles. Le pape François, nous prions pour toi, reste le signe de notre unité. Nous rendons grâce à Dieu notre Père pour nos pasteurs fidèles. Pape François, notre témoin de charité, il est devant, vers le terrain des démunis, envers les pauvres et les opprimés. Le pape François, il est devant, il leur apporte l'esprit de force, la paix profonde qui vient de Dieu. Par sa présence et son message, Dieu est vivant, il est parmi nous. Pape François, nous prions pour toi, reste le signe de notre unité. Nous rendons grâce à Dieu notre Père pour nos pasteurs fidèles. Pape François, nous prions pour toi, reste le signe de notre unité. Nous rendons grâce à Dieu notre Père pour nos pasteurs fidèles. Le pape François, notre modèle d'humanité, il est présent quand l'être humain est malmené. Dans les questions des droits de l'homme, le pape François, il est là. Dans le besoin de la justice, le pape François, il est là. Par le dialogue interreligieux, le pape François, il est là. Pour la réconciliation et la paix, le pape François, il est là. Dans les débats de société, le pape François, il est là. Par son message consolateur, le pape François, il est là. Le pape François, nous prions pour toi,
reste le signe de notre unité. Nous rendons grâce à Dieu notre Père pour nos pasteurs dignes. Le pape François, nous prions pour toi. Reste le signe de notre unité. Nous rendons grâce à Dieu notre Père pour nos pasteurs dignes. Le pape François, nous prions pour toi. Reste le signe de notre unité. Nous rendons grâce à Dieu notre Père pour nos pasteurs dignes.